Joignez-nous alors que nous partons vers une aventure extraordinaire au cœur d'une des plus vieilles villes d'Asie de l'Est. Jetez un regard de l'intérieur sur l'histoire et la reconstruction de la vieille ville de Kashgar. Découvrez les opportunités d'affaires avec un commerçant local et visitez le marché aux bestiaux le plus célèbre de Kashgar, alors que nous plongeons dans l'histoire et le rythme moderne de cette ville. Nous avons tendance à penser à des histoires à succès comme n'étant qu'au sujet d'individus singuliers et avec que leur scène pour décor. Mais de temps en autre, l'histoire d'un endroit en lui-même est tellement irrésistible, tellement remplie de caractères culturels et de traditions, qu'il incarne autant la scène que le personnage principal. Kashgar est un tel endroit. Joignez-nous alors que nous nous aventurons au cœur de Kashgar, et explorons la ville à travers les yeux de résidents dont les vies sont entrelacées avec la renaissance de cette ville oasis. La ville de Kashgar d'aujourd'hui a grandement changé depuis ses débuts. Elle est remplie désormais de parcs modernes et de places, alors que des complexes d'appartements modernes s'alignent dans le paysage de la ville, et que des canaux et ponts artistiques constituent des points d'intérêt pour les touristes. La vieille ville de Kashgar est l'endroit où la plupart des histoires de cette ville ont commencé, et des générations de familles d'ici y ont vécu depuis la période dorée de la route de la soie, alors que les commerçants affluaient aux portes de la ville. Des inquiétudes quant à la sécurité en cas de tremblement de terre ont entraîné la rénovation des structures en argile et en boue de l'antique ville. Alors que la rénovation est simple, la tâche de rejoindre les familles et de présenter l'opportunité est plus complexe. Plusieurs visiteurs à Kashgar ont déjà commencé à remarquer le développement rapide de la ville. Are there any differences between last time you came and this time? A lot of differences. The city is very big now. A lot of new buildings. Really enjoyable. Particularly going through the old town, seeing life, you know, as it was, and may not be continued in the future. So it's been good to be here and be part of it while it still exists. Well, what were some of the things that impressed you, or that were you thought were unique and special about that? Well, in particular, I thought the kids were lovely. They were really friendly. They all wanted to be photographed. This is one I feel here in Kashgar. That's a very interesting mixture of culture. Mm-hmm. You know, a lot of people. I see people with Kyrgyzstan hats, you know, and other traditional hats from other minorities or people living here, and so. Especially from the history, I think Kashgar is like a melting point along the Silk Road. So that's very fascinating. I've been amazed at how ready people are to help, especially because, you know, stupid female traveling on her own, and they just go out of their way just to help me work out where I need to be and take me there. Ceci est une vue à vol d'oiseau de l'ancienne ville aujourd'hui avec son labyrinthe d'allées et de places. Kashgar est la plus vieille ville du Xinjiang, avec une histoire remontant à plusieurs milliers d'années, et peut-être que le symbole le plus caractéristique de cette ville est son centre antique. Présentement, de sorte à améliorer la vie et la situation sécuritaire dans cette zone, le gouvernement met en place un programme de rénovation qui touchera la vie de dizaines de milliers de résidents. Ça, c'est M. Semi. Il est un des résidents locaux qui travaille à combler le fossé auprès de la population entre les bénéfices de la rénovation et la confusion ou le manque d'informations précises dans la communauté. Son travail implique de marcher à travers les allées et visiter des familles dans la vieille ville
pour résoudre à leurs questions et les encourager à profiter de l'opportunité d'améliorer la sécurité de leur maison. Üstüme bastım bakın. Mayan tereptim bastım bakın ha mayan tereptin ama. Pişe evine mi? Ha pişe evine hem inik çıptamış heritik hazır. Öyle yok ha? Yok. Ha ama aşkan öyle olmamış heritik ama şunda inik çıptı hazır benim var. Mavcı mı mavva? Ha ma öyle kan ikin ha? Şöyle koyayım bu. Ha. Şöyle koyayım bu. Bak nem sen. Rahmet. Yok. Bak şu kuruluş güle. Yer gülüm, hem de sizlere deftar doğar. Siz şu boyutca bir ballık at yer. Sıralık balının kalırsa sizlere ötküz yer. Teyarlıkla başlayıp geçsem bu. Tamam. Bakın sen. Bakın sen. Bakın sen. Ben bu şekilde bir şey. 乡里面就基本上土木房子 OK 那你能介绍我们现在在哪儿 这些路是什么地方 我们是现在看是市中心的一个老城区 老城区 这些土木房子呢 有此1000年 有此100多年的房子 是土木房子 那修改的过程中是要盖成现代楼 还是会保留现在的这个原貌 这个风格 这是喀什市那是个古城 这是喀什古城，就是一些房子呢，武康镇，武康镇，所以呢，我们修成一个康镇房，这是这个保留我们维吾尔族的传统文化原来的风貌，所以呢，我们改造成原着重建，所以其实这是两方面，是这个重建的时候，一是保留传统，二是要确保大家的安全，对对对，这是作为原则，对。 Very interesting. 那现在的房子跟以前的房子有什么区别呢？就是以前呢，这是房子没有天然气，没有网线，上下水都没有。现在盖完了以后呢，政府给他们安装了天然气、网线、电话线、上下水都给安装完了。 那网线也都有，他们都可以上网。可以上网。That's amazing. Simi m'a invité à visiter une partie de la reconstruction en cours dans la vieille ville. Old city. 这些房子就是八月份开始修，10月底结束。三个月的时间。三个月的时间呢，就是，主体政府来给他修，就是新面那个里面的装修。 施施配套施施都来他们自己弄。那就可以自己选择。那本身他们要不要重建，要不要这个改造他们的房子，他们可以选择吗？对，他们自己满意，政府给他修，他自己不满意，政府也不给他修。OK，这样子。那大部分的现在都要进行这个改修。啊，对对对，挺好。我们看一下这个房子。 在我们大的规划里面，为什么？这个房子离址啊，从这地方来，就是个房子。这个房子。All right. 那这个工程很大了，得五年了，还是现在的时间安排是多长时间？就是二零。 2013年就结束。2013年啊，2013年，哇，那确实是开始这个老区的，能帮我翻译？哦，可以可以。Assalamualaikum，你好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 ，你
我以前的房子旧房子，所以我愿意修个长正房。 I'm trying to cycle to Nepal from England, and I came through to Kashgar, and China's been wonderful because it's the first opportunity since Central Asia where the roads have been smooth and you can actually eat good food. And the difference is incredible, it's absolutely wonderful. And the people here are absolutely fantastic. So one of the highlights for you then would be the food? The food, literally crossing over the border and going into the first Chinese restaurants and eating Chinese food, it's a revelation. It's absolutely wonderful. Well, welcome to Kashgar. What have you thought of the city? Have you had any experiences here? No, it's the first time that I'm in Kashgar. Okay. Well, our guide informed us that Kashgar is not a very quiet town. It's a big town, a noisy town, but the old part was very interesting for us. We walked around the old area and saw different skills, old-fashioned skills. It was very nice. And now we have been just in the mosque. The people have been friendly. I don't understand much the way they speak. I could understand some Turkish words, like the numbers. Yeah, because I've been through Turkey and then Central Asia. And all that area is Turkish. They spoke Turkish root language. And here in Kashgar, they also think that the root is Turkish. So I could understand some. So at least the numbers. Au cours des 10 dernières années, l'économie de Kashgar s'est développée rapidement, tout comme son importance en tant que centre pour le commerce régional. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer un des hommes d'affaires et commerçants transfrontaliers de la région de Kashgar pour mieux comprendre les opportunités d'affaires ici. Monsieur Tilili est un homme d'affaires local qui a gagné le respect et l'admiration de plusieurs à Kashgar pour son honnêteté et son œil perçant pour les nouvelles opportunités de commerce. Son bureau donne sur la place centrale dans le centre-ville de Kashgar, où les différents peuples de la région se mêlent et partagent le meilleur de leurs marchandises. Alors que ces affaires concernent principalement l'exportation de biens semi-finis par-delà la frontière chinoise vers d'autres nations centra-asiatiques, ces biens et produits d'exportation incluent des montres, des fruits, des ustensiles et beaucoup plus. Plus récemment, son entreprise s'est tellement bien développée qu'il a commencé à en mettre en place des opérations de production dans plusieurs autres nations pour également tirer avantage de l'importation de produits en Chine. Tilili a une profonde appréciation pour le mélange de cultures locales à Kashgar. Et il visite lui-même fréquemment la mosquée Ikar pour réfléchir.你从开始在做生意的话，外贸有哪些优势呢？周边国家很近，有一个好特点，一个呢就是语言问题，就是我们周边国家的语言比我们哈市那边说语言基本上差不多。我们做生意嘛，没困难交流时间。能，那还是能互相还是。可以，他们在往这儿来，他们也没困难交流时间。 对我们有个好处，而且还是距离还是很近，就是吉尔吉斯首都在我们的喀什距离700公里左右，再往这个边说500公里。
所以嘛很近，我们做生意嘛很方便。位置也是。那那有位置，位置，位置，位置好。你最近这几年的这个业务量大概有达到了多少？最今年最高的时候，2008年我们达到1.5亿的出口。1.5亿的。哇。En arrivant sur un des sites d'entreposage de M. Tiili, les douanes chinoises sont sur place pour inspecter la nouvelle cargaison de produits destinée à diverses destinations centra-asiatiques. Ce chargement transporte des bottes de vêtements qui sont en forte demande cette année. M. Tiili est optimiste que cette année sera une année de croissance commerciale. Il s'attend à ce que Kashgar devienne un centre de commerce majeur pour la région, alors que le gouvernement chinois stimulera d'autres infrastructures et investissements économiques à Kashgar au cours de la prochaine décennie. Ayant connu lui-même un vif succès, il encourage plus de résidents de Kashgar à s'impliquer et à profiter des bénéfices du nouveau statut économique de la ville. Right. 嗯，这都是等着要下个星期要发出去的。OK， 这是布料，布料，这是布料，就是全是布料，这些就是。OK， 往塔吉克斯坦做的。Tajikistan. 塔吉克斯坦。OK， 这一嘛就是，这边都是缝纫线，这是就是缝纫机。往吉尔吉斯坦发的货。吉尔吉斯坦，啊，哎，那一般你这些仓库会特别忙，特别热闹，对对吧？对，经常。那一个星期会有多少？一个星期现在呢就是200立方。200立方。嗯。一周。嗯，一周。最热闹的话呢，一周就是500也有，600都有。现在嘛就是。Ceci est la mosquée Iqar, la plus grande mosquée de Chine et un des plus importants sites islamiques de toute l'Asie. Elle fut construite en 1442, mais la majeure partie de l'architecture originale demeure intacte. C'est une des raisons pour laquelle le gouvernement la protège comme faisant partie du patrimoine de Kashgar. Aujourd'hui, plus de 10 000 personnes se rassemblent ici pour la prière les vendredis, perpétuant une tradition qui a commencé il y a des milliers d'années. Il y a seulement quelques endroits en Chine où les musulmans se rassemblent en aussi grand nombre qu'à la mosquée Iqar dans la ville de Kashgar pour la prière. Elle se dresse comme un puissant rappel de l'histoire et des traditions de la ville. Alors que la majeure partie de l'horizon de Kashgar change, les minarets de cette mosquée demeureront inchangés et les prières seront offertes ici les vendredis, comme elles ont continué ininterrompues des siècles durant. Protéger et préserver de tels sites est une priorité majeure pour le gouvernement national et garantir l'intégrité culturelle et la croissance économique constitue un double défi que la ville de Kashgar démontre relever avec facilité. Ceci est un des plus gros marchés aux bestiaux extérieurs de toute l'Asie. C'est une tradition qui a commencé il y a des milliers d'années et qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Des bergers des régions aux environs de Kashgar et de la vaste majorité du Xinjiang amènent leur bétail ici pour commercer et se mettre à jour sur les dernières nouvelles. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité spéciale de rencontrer un de ces bergers, M. Kalim, et de comprendre comment est sa vie à Kashgar. La province du Xinjiang produit un large pourcentage des réserves de bétail pour l'Asie centrale et de l'Est, et le marché aux bestiaux extérieurs de Kashgar est le plus grand et le plus important centre d'échange de cette précieuse denrée dans la région. Chaque année, des dizaines de milliers de moutons, bovins, chèvres, chameaux, chevaux et mules et autres bestiaux sont amenés ici et créent un spectacle stupéfiant qui a rendu ce marché célèbre à travers le monde.
장도이미마이완了바자역시고액겹등샀대바자완역시할아들那很不错，才开了两个小时，都已经都卖完了，但还剩下了一只。我把这几只乌龙放那，我家哥去偷吧，看嘛呢？啊，到了，先买点，把这个吃了。这就够了。哎。Monsieur Oulaïmou est un berger traditionnel de Kashgar qui amène ses troupeaux au marché depuis plus d'une décennie pour gagner sa vie pour sa famille. Au marché aux bestiaux, il a la possibilité de créer des liens, de partager les nouvelles avec d'autres de sa profession et de profiter de l'atmosphère énergique à chaque semaine. Ça a été vraiment intéressant de se promener dans le marché ouvert de Kashgar ici et de vraiment observer certaines des affaires qui s'y brassent. Il y a une large variété de bétail ici. Il y a des ânes et des chevaux, il y a des bovins, il y a une grande variété de moutons. Et basé sur les différentes variétés de moutons, vous pouvez avoir une idée de quelle région du Xinjiang elles proviennent. Alors, ce qui se passe ici, c'est que quelqu'un amène ses moutons et en se basant sur le poids et la race, ils vont en venir à une entente quant au prix. Puis ils vont échanger une poignée de main et des salutations, puis charger le bétail dans leur camion et voilà, une journée réussie. C'est vraiment, vraiment super d'être ici et de pouvoir voir cet environnement. Monsieur Oulaïmou nous a invités à embarquer en voiture avec lui jusqu'à sa maison pour voir comment il élève et entrepose son troupeau entre les voyages au marché. Aujourd'hui, possédant sa propre maison à cour carrée et un troupeau de moutons en santé, Monsieur Oulaïmou est très conscient d'à quel point sa vie s'est améliorée.接下来在后面，你会希望政府能提供什么样的支持，会对你自己的生活有帮助的？那个啥，明白吗？我那么大子姐，是，本地的特产给我们他们的了，俺们啥子不是啊？不是，现在不是人家那不是现在不是，但他们现在么的，我都在北京去了，能办的。Koyda nefret kıldı yani. Kesimini yakışıdım koydum. Manda ösümsüz kılbı olsa, kararlık bəhse ilip faydalansak, vaxtını bəhse, çarın təxim olduk baksak, sorunu yakışırsak, yakışı yakışı. Bununla böyle bitirin şu an. Kashgar se redéfinit comme un centre régional pour le commerce et la culture au XXIe siècle. Ses avantages tiennent en sa situation géographique, ses ressources naturelles et plus important encore, sa communauté diversifiée. Je ressens de l'enthousiasme quant à ce que le développement de cette ville signifiera pour le reste du Xinjiang et de la région en entier. C'est évident que le prochain chapitre de l'histoire de Kashgar en sera un de promesses de prospérité élargie et de nouveaux départs. Je suis Nathan Jones pour CCTV. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous espérons que vous vous joindrez à nous la prochaine fois.